présence et nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour de nous faire du bien au travers de ta présence. Nous nous plongeons dans ton sang et merci pour la victoire que tu nous donnes en ton nom. Nous croyons à la manifestation de ton pouvoir et à la manifestation de ton règne. Que ton règne vienne, Seigneur, manifeste-toi et bénis chacun d'entre nous. Merci parce que tu es Dieu. Merci de te manifester. Merci parce que tu es roi. Merci parce que tu es bon. Merci Jésus. La conscience, thank you.
Dans la présence de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue
parce qu'ici à même temps c'est un centre international. Amen. Amen. Voilà, nous avons les bien-aimés de la France, de d'autres villes, de la Côte d'Ivoire, et en même temps je vois le frère Dosso, c'est ça, non? Lui on l'appelle Crasso, c'est Danemark, non? Ouais, il vient du Danemark avec sa fille, on se connaissait déjà sur le Skype, on s'est déjà vu sur le Skype. Voilà, donc avec son fils Junior, c'est Junior, non? Il a une crête là. Oui, amen, que Dieu bénisse. Lui, il vient du Danemark, c'est ça? Vous êtes de quelle ville du Danemark? Ok, vous allez plus l'anglais là-bas ou d'en bas? D'en bas, la bien, la bien. Ok, le prince, il vient de ses parents. Il vient de Paris aussi. Qui vient encore de d'autres pays de l'Europe? Non. Oui, toi, tu viens de quel Paris? De la Belgique. De la Belgique, de vous? De la Suède. Ah oui, si, si, tu vois le visage. Ça va, c'est M. Kofi? Quoi Dieu, ouais, d'accord. Comment vous allez? Oui, sa famille vient passer ici une fois. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Merci pour vos soutiens. Même à l'extérieur, nous sentons vraiment une bonne mobilisation au niveau de ce ministère. Parce que depuis que ce ministère est créé, il y a le frère John, je ne sais pas s'il est arrivé, il est là. Il est dehors. Il faut le faire entrer. Il est aussi bien de l'Allemagne. Amen. Merci parce que nous recevons vos soutiens. C'est important. Parce que pour nous, il faudrait que vous arriviez un jour à revenir en Afrique, que vous ne voulez pas, c'est votre continent, et investir librement. Et c'est le combat que nous menons, et vous le savez très bien, ça a été mon langage. J'ai dit le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est uniquement que la sorcellerie, ça s'est défini en tant que lanceur de sort. Le sorcier, c'est celui qui lance un mauvais sort. Non, 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 ça c'est la croix d'Estelle, c'est responsable. Mettez-le de quelque part, trouvez une place de l'autre côté. Charles, il ne faut pas qu'on ait ce temps de l'heure. Mettez-le quelque part. Amen. Lui, nous vient de l'Allemagne. Le frère John, tu viens de quelle ville de l'Allemagne? Je viens de la région de Cologne. Ok. Amen. Donc, c'est pour dire qu'on a ici la France, on a ici le Danemark, on a ici Belgique, on a Suède. On a l'Allemagne, on a la France, on a Danemark, on a l'Allemagne, on a France, Paris. Et on a Belgique, et puis on a la Suède. Nous sommes suivis par 168 pays dans le monde, qui nous suivent, même les Arabes nous suivent, l'Union arabe nous suit, beaucoup de pays, même la Philippine, les Chinois nous suivent, depuis Hong Kong nous suit, beaucoup de gens nous suivent. C'est pour ça qu'on a commencé à traduire nos messages tous les dimanches en anglais. Les États-Unis, c'est plus de 10 000, 12 000 vues par jour. Voilà, 12 000 vies par jour. Pourquoi? Parce que nous traitons un sujet qui dit d'abord tabou dans le passé. Les gens avaient tellement peur d'aborder le sujet. Parce qu'on s'est dit, ben, si on parle des sorciers, les sorciers vont nous attaquer. Or, les gens ne pensaient pas qu'il y avait une autre force au-dessus de la force de la sorcellerie. Vous savez que c'est Dieu, qu'on a Dieu, il nous donne la possibilité de maîtriser le monde des ténèbres. Dieu, c'est la lumière, et le diable, c'est les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas rester tout le temps, n'est-ce pas, en train d'agir en maître. C'est-à-dire, le diable ne peut pas toujours agir en maître. Donc Dieu a décidé, n'est-ce pas, d'accorder une onction qui détruit, n'est-ce pas, la présence de la sorcellerie. Amen. Amen. Nous ne combattons que ça. Vous savez, les sorciers sont la base de beaucoup de choses. En même temps, ils bloquent vos vies. Ils peuvent bloquer votre destinée en vous donnant une maladie mystique. Même la médecine, la science ne pourra rien contre ça, rien. Ils seront inefficaces face à cette maladie. Ils vous diront que par moment, je ne vois rien, je ne peux rien. Ils confesseront ça ouvertement parce que c'est ça la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la maladie mystique. Or, quand il y a un problème mystique, il faut le traiter avec Dieu. Dieu seul peut résoudre le problème. Amen. Amen. Voilà, je me souviens que le frère John m'a dit qu'il ne croyait même pas qu'il pouvait avoir une autre force pour maîtriser la sorcellerie. C'est depuis qu'il a commencé à regarder nos vidéos qu'il a commencé à ne pas avoir peur des sorciers. Parce que souvent, on reçoit des menaces des sorciers pour dire qu'on va te tuer. Et puis, on a peur. On a l'impression que c'est eux qui sont les maîtres. Même on a l'église, on a peur parce que par moments, ils arrivent à tuer les gens qui vont à l'église. Voilà, amen. Mais depuis qu'on a commencé, question de connaissance. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Dieu donner un pouvoir et la connaissance. C'est ce que je suis en train de faire. Vous partagez certaines connaissances spirituelles pour dire, il y a un Dieu au-dessus de tout ça. Amen. J'ai un Dieu au-dessus de tout ça. Et que nous donc, tu peux, en croyant lui, nous donnera le pouvoir sur les œuvres de la sorcellerie. Hein? Ce qui concerne la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec la religion. Non. Tu es musulman, tu peux être victime de la sorcellerie. Tu es même bouddhiste, tu ne croyais même pas en Dieu, victime de la sorcellerie. Amen.
ça n'a rien à voir avec une religion, ni de pays, de race, tout ça. C'est une question de lancer sort. Et pour nous ici, qu'est-ce que nous faisons ici? C'est le ministère même unique au monde qui délivre les sorciers. Amen. Nous délivrons les sorciers. Nous avons compris que même la sorcellerie est une maladie. Depuis que nous sommes dans cette région de Divo, pourquoi les gens... Je ne suis pas de Divo. Les gens se trompent. Je ne suis pas de Divo, je ne suis pas d'Ida. Ma mère est peul malienne. Maman, c'est Keita Mariam. Elle est peul malienne, elle est du Mali. Et c'est mon papa qui est bêté des gagnants. Je suis né dans une famille musulmane. Je ne suis pas venu comme ça à Divo. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai fait la plupart des grandes régions de la Côte d'Ivoire. Et la presse m'a suivi avec un grand là-haut. C'est à partir de grand là-haut que la presse a commencé à me prendre au sérieux. Je ne savais pas qu'on me disait tu es la une d'un journal parce que les gens voyaient. Et puis toute la presse a commencé à prendre le sujet au sérieux. C'est en 2009. C'est en 2009 que la presse a commencé à suivre parce qu'ils voyaient que c'était un stress sérieux, le sujet qu'ils étaient en train de. Et ils ne croyaient pas. Et c'est ça. Les gens ne croyaient pas que la sorcellerie existe. Or, c'est quelque chose qui a un nom, c'est que ça existe. Amen. On ne donne pas un nom comme ça. Quand on dit sorcellerie, ça existe. Or, la définition fait peur. La définition, c'est lanceur de sorts. Celui qui lance un sort est un sorcier. Or, au-delà de lanceur de sorts, il y a ce qu'on appelle mangeur d'âmes. Et ils sont là pour s'alimenter en mangeant les âmes des gens. Or, quand ils mangent ton âme, et ça lui procure une longévité. Parce que l'âme se trouve dans le sort. C'est en cela que c'est dangereux. Parce qu'ils endeuillent des gens, ils endeuillent les familles. Je disais aux gens devant les autorités, le sujet de la sorcellerie est tellement sérieux. Pourquoi? Parce que les blancs ont compris. Vous voulez comprendre si les blancs ont compris? Mais les blancs ont compris. Et que pour démarrer dans une vie, pour démarrer par toute chose, il faut commencer par le commencement, qui est le monde spirituel. Parce que l'homme n'a pas que le physique, l'homme aussi a un côté spirituel. Tant que tu ne règles pas ce côté, tu veux ou pas, ça va te rattraper. Or, les blancs ont compris que si on veut avancer dans la vie, il faut attaquer la sorcellerie. Donc, ils ont fait la chasse aux sorcières. Ce n'est pas inventé par Crasso. Hein. Voilà. Ce n'est pas inventé par Crasso. Ce n'est pas nouveau. C'est depuis le 15e siècle que ça a commencé, la chasse aux sorcières. Et ça a commencé 15, 16, 17e siècle. À partir du 17e siècle, eux, j'étais barbare. Nous, aujourd'hui, nous délivrons les gens. Très civilisés que nous sommes, nous respectons le droit de l'homme. L'homme a le droit à la vie, mais eux, ils brûlaient les gens. Il y avait ce qu'on appelle le bûcher. On t'attrape parce que tu es sorcier, on te brûle. Aucunement, sinon on a brûlé les gens. Je suis allé même demander des personnes ici. On m'a, ici, à la justice, ici, des personnes qui étaient incarcérées pour un problème de sorcellerie, que j'ai fait délivrer. Amen. Amen. J'ai dit, c'est vrai. Mais la sorcellerie ne peut pas, la prison ne peut pas délivrer un sorcier. Vous les mettez en prison. Mais c'est spirituel. C'est vrai qu'il a avoué parce qu'il a dit, Dieu, c'est écrit. Mais la nuit, il sort. Il va dans son village, il mange bien son foufou. Et la chair humaine, il mange très bien, puis il revient. Il vient dormir parmi nous. C'est le corps qui est en prison, mais l'âme, l'esprit, voyage. C'est un problème qui est spirituel. Or, si c'est spirituel, donnez la possibilité à ceux qui peuvent le régler, de régler la chose. Parce que même la personne, même par moment, a des moments de remords quand elle commet des actes. C'est ça que vous ne savez pas. Or, c'est ça que vous devez chercher à régler. Parce que quand on commet un acte, les sorciers régler, il y a un moment de remords où il prend le temps de regretter, mais il ne peut plus, puisqu'ils sont dans un dîme. Ils sont là dans une moment de confrérie. Il faut aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Donc, c'est le seul Seigneur qui peut les délivrer de ça. Or, nous avons déjà délivré plus de 7000 sorciers. 7000. Amen. Amen. Or, tous ceux qui ont résisté à la délivrance sont tous morts. Ceux qui ont résisté sont morts. Nous avons des témoignages encore. Pourquoi? Parce que l'homme que vous voyez doit être respecté. Or, les sorciers s'en foutent. Leur cible, c'est de détruire les gens. Tu es physiquement là, tu es en erreur, tu penses, mais tu es dans une prison. Toi-même, tu es convaincu que tu es dans une prison. Parce que tu ne vis pas une vie. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Les gens avancent, toi, tu n'avances pas. De toute façon, il y a la prison physique. Il y a aussi une prison spirituelle. C'est pour cela que la délivrance, ça se désire. L'homme est fait de sorte qu'il faut aller de l'avant. Or, il ne faut pas un statu quo où on a l'impression que tu es bloqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous combattons la société. Ce n'est pas question de Crasso. Non, j'ai reçu un don de Dieu pour combattre. Pas parce que je suis parfait, je suis le meilleur. Non, parce que Dieu a trouvé bon de résoudre ce problème. J'ai un fléau. Quand on a parlé de l'Ebola,
On n'a jamais vu l'Ebola en Europe, même s'il y a eu peut-être les signes d'alerte, tout ça. Mais c'était en Afrique. Mais les gens ont pris le temps de traiter le sujet, ils ont réglé ça. Mais, et le problème, la sorcellerie, vous savez, j'ai ce qu'il dit aux gens, menez les enquêtes dans chaque famille, vous allez voir que vous ne maîtrisez même pas quelque chose. Et les gens ont un problème que vous ne maîtrisez pas. Vous n'arrivez pas à résoudre le problème des gens que vous voulez diriger. C'est un problème d'ordre spirituel. Ils ont de grands diplômes, et puis ils sont carreaux. Ils ont des grands diplômes, se retournent dans la rue, ils sont fous. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ils ont des grands diplômes, se retournent en Afrique, au village, comme s'ils n'avaient jamais fréquenté. Zéro et tout ça, ça rentre à l'eau. Il est détruit à vie. Or, si vous négligez le monde spirituel, c'est que vous négligez votre existence. Parce que l'homme n'est pas que physique, l'homme aussi spirituel. Amen. Amen. L'homme aussi spirituel, c'est pour ça que dans la vie, on ne se laisse pas faire, on se cherche. Dans le langage ivoirien, il faut se chercher. Mais bien sûr dans Dieu. Alléluia. Amen. Bien sûr dans Dieu. Alléluia. C'est ça que moi, je n'écoute pas tout ce que les gens disent à côté. Je vais à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Les gens ont un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut résoudre le problème. Il faut aller les aider. C'est tout. Amen. C'est ça. C'est ça l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Les gens souffrent. Or, si vous ne réglez pas ce problème, ça va vous poursuivre. Non seulement vous, mais vos enfants ont subi la même chose. Parce que c'est ça. La sorcellerie, ce n'est pas l'amusement. Vous avez entendu, c'est pour ça que nous, les aveux, nous faisons les aveux publics. Quand vous entendez un sorcier parler pour dire, on m'a demandé de donner mon enfant. C'est-à-dire, lui, il est dedans, mais c'est son enfant, c'est la famille qui paye. Sa dette, là, c'est toi qui paye. Toi qui es innocent, qui n'a rien à voir avec ça, c'est toi qui paye. Or, c'est, ça fait plus mal quand il y a des crimes. Parce qu'il tue. C'est ça le danger. Il y a aussi des crimes. Les gens ne prennent pas compte ça. Ils négligent ça. Ah, le monsieur dit, tu. Vous dites non, c'est parce qu'il est. Il n'est pas malade. Il dit ce qu'il dit est vrai. Vous demandez les preuves. Ils ont demandé quelqu'un un jour, c'est pas à Gagnon, un monsieur. On dit, mais où tue les gens? Il dit, oui, il est sorcier. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il est sorcier? Il dit, ah bon, à vous-même une papaye. Il a fixé la papaye 2 minutes. Il dit, fondez-moi la papaye. Rien, il a mangé au milieu. Le juge dit, pardon, s'il te plaît. Hein? Toi-même, on doit te libérer. Ce n'est pas une démonstration. Tu as fait la démonstration. Amen. Oui, ne négligez pas ce côté-là. Amen. Oui, il y a des gens qui sont là, qui sont toujours combattus. Moi, j'ai toujours combattu parce que je les dérange. Si tous les plans ils me combattent, là, je m'en vais parce que je n'ai pas voulu. Parce que j'ai envie de faire ce travail qu'il fait. Je sais que ce travail-là, si Dieu n'est pas avec toi, c'est dangereux. Amen. Je suis dans la région de Divo parce que Dieu veut que je sois ici. Pourquoi? Parce que ici, il y a une forte présence de la sorcellerie. Les Akans, c'est un peu pas trop. Mais l'Ouest, et précisément dans la région ici, de Divo, Lakota, Iré, c'est là la forte présence de la sorcellerie. C'est pour ça que Dieu a installé la brigade ici. Vous luttez comme ça. Amen. Si la brigade anti-microbe, c'est un fléau qui est arrivé à Bijan. On doit couper un fléau, les gens, les enfants sont des délinquants, ils prennent ma gueule, ils vont m'acheter les gens. Donc l'État a décidé de créer une brigade pour lutter contre ce fléau. C'est ce qu'il dit aux gens. Est-ce que la sorcellerie, la question est posée, est-ce que ça n'existe pas? C'est la question, point d'interrogation. Si tu dis non, pourquoi ça existe? Pourquoi ça a un nom? Pourquoi on dit sorcellerie? Tu me diras que c'est une invention. Non, on n'invente pas quelque chose. C'est parce que ça existe que ça a un nom. Or, si ça existe, qu'est-ce que ça signifie? Or, la définition, nous, quelqu'un qui lance des sorts, ils sont là, ils voient, font des maraboutages, le cultisme, la franc-maçonnerie, le maraboutage pour juste nuire. Parce qu'on ne veut pas que l'autre avance. Comment c'est lui qui doit avancer dans la famille? Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui est en Europe? C'est comme l'Europe, c'est synonyme d'avoir la région. Nous, on rencontre les Benguis. Quand vous êtes dans l'Europe, on vous appelle les Benguis. Vous êtes noisif? C'est un billon seulement. Nous, on est la même chose. Souvent, on vous prête l'argent. Les gars sont là. Ils sont pressés. Ils veulent aller en Europe. Je dis, expliquez la situation de quelqu'un qui est rencontré à Casa, au Maroc. Un Sénégalais, il dit, il va aller en Europe. Je dis, monsieur, je l'ai tout fait. Il dit, non, lui, il a fait 10 fois Zodiac.
Il allait à Tanger, il allait sur l'eau, on le ramène, mais lui, il va partir en Europe. Il va partir là-bas. Il dit, mais pourquoi? Il dit oui, parce qu'il va prendre pour lui. C'est là. Il dit, putain, il dit oui, pour lui, là-bas. Or, si tu comptes, c'est plus de 5 millions, 6 millions de francs, c'est pas qu'il investit. Cet argent, il pourrait prendre ça pour faire quelque chose. Il continue, ah non, il est là en Europe. Puis c'est quoi? Amen. Alléluia. Même si tu es en Europe, les sorciers peuvent t'attaquer. La preuve, c'est que nous sommes en train de régler le problème de beaucoup de pays. Si vous êtes en Europe, c'est comme vous vivez en Afrique. Vous vivez en Afrique. Au moment où les gens perdent, vous avez des problèmes. Au moment où vous avez votre argent ici, les gens, ils vous égâtent. Égâtent. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Notre Afrique doit se relever. C'est le combat que nous menons d'ailleurs. Il faut que l'Afrique se relève. C'est ce qu'il a dit aux gens. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de prise de conscience. Nous avons compris que notre problème, c'est la sorcellerie. Parce que c'est ça. Pour rien, les gens t'en veulent. T'en veulent de faire un travail. Même dans nos corps, dans le ministère, il y a des gens qui nous attaquent. Amen. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas nous voir. Mais c'est ça le travail. Amen. Même Dieu même a des ennemis, c'est ça le travail. On ne veut pas voir parce qu'il y a d'autres qui disent je n'aime pas sa tête, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la sorcellerie. Je n'aime pas sa tête, pourquoi? Je n'aime pas, mais je ne sais pas, mais m'énerve. C'est de la sorcellerie. Or, quand quelqu'un t'énerve, tu feras toute la nuit. Ouais. C'est comme ça. Amen. Amen. Quand tu as la haine de quelqu'un, on dit celui qui a la haine est un maître, est un sorcier. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu feras toute la nuit. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est la sorcellerie. Le problème est purement spirituel. Alléluia. Amen. Que nous voulons ou pas, Satan existe. Il a ses agents. Or, les sorciers, là, ils ont un esprit de destruction. Ils détruisent les gens. Quand vous voyez un peu le mécanisme qu'ils mettent en place, vous comprenez bien que c'est une science. Mais d'une science occulte, ils ont la capacité de détecter ton devenir. C'est ce que tu vas faire demain, ils savent. Amen. Amen. Ils savent. Tu vas dire, ah, il va aller prendre l'avion. Ils savent déjà que c'est Air France, Boeing, numéro tant. Ils ont déjà la référence. Amen. Oui, ils ont tout ça. Ah, ils ont des grandes connaissances, les sorciers. Toi, tu es dans ta maison, ils connaissent déjà la reine qui est là-bas. Bon, j'ai été confronté à des aveux d'un sorcier et qui est dans un village. Il a pris le passeport de son neveu aller cacher dans une tombe. Amen. Amen. Et les gens m'attaquent, ils disent, ah, c'est un sorcier qui attaque sorcier. Jamais. Un sorcier ne peut jamais délivrer un sorcier, c'est pas possible. Puisqu'ils font le même travail. Satan ne peut pas avoir une stratégie en place et lui-même va venir détruire. Amen. Amen. Sinon, nous détruisons le royaume du diable. C'est une continuité de ministère de Jésus. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Notre ministère, c'est de détruire les œuvres du diable dans vos vies. Parce que la cible de Satan, c'est de détruire l'être humain. Il ne veut pas qu'il soit heureux. Donc il a créé des agents qu'on appelle des sorciers. Ils ont un esprit de destruction. Eux, ils sont là, ils ont la capacité de détecter ce que tu vas devenir demain. Et puis t'emprisonnes, ils te mettent dans une bouteille,